Hop, derrière la bande son de Silent Hill 2. Putain, mais il m'a foutu une de ces fous, cet enfoiré là! Éboulement par là. Merci la bande-son de Silent Hill 2, qui non seulement me rappelle des souvenirs, mais rend ce jeu encore plus glauque. T'as une sacrée sale gueule, lui. Et la face toute déformée. Ouais. Je rêve où il y avait un monstre là derrière. C'est une meurtrière. D'accord, donc à mon avis, le docteur S est vraiment pas net, hein, c'est pas ce qu'il me semblait. Putain, j'aime pas. Je vais pas bouffer trop mes piles. Il y avait un monstre là. Et ils s'habilleront tous en blanc. Non, we all will. Attends. Nous nous habillerons tous en blanc. Pourquoi? Putain, j'aime pas ces... Oh la vache! Deafening, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Alors des voix, je sais pas quoi, font écho dans ma tête. J'ai toujours voulu être pompier. Ah putain, je comprends pas du tout la phrase suivante. Un me regarde... Looks me down. Un me regarde en bas. Avec... le visage... Darknet from shoot, je sais pas. Putain, j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais... Ah bah je suis en train de prendre le truc, mais je sais même pas pourquoi. Je me disais... Y'avait pas un putain de monstre là? Marteau du bourrin. Pourquoi je comprends rien à ce qui se passe? C'est marrant, ça fait un petit bug. Ah non. Ça c'est un bug sonore à mon avis.
J'ai plus de batterie, merde. Ça va faire chier, là, faut vite que je trouve un endroit lumineux. Ah. Et hop, la descente aux enfers par les escaliers infinis. Merci Silent Hill 2 encore une fois. Putain de merde. So, this is it. I failed again. I worked so much to fail again. This hospital, this place, this would be a new beginning for me. Sophia outsmarted me. I can hear her voice echoing in the tunnels, giving orders to the other patients. This is Dr. Patrick Parr. I spent all of my life learning about human psyche, and it seems I haven't learned anything at all. These are my last words. I don't think anyone will find them in the near future. But if you do find them, the moment you are sure of something you see is the moment you are mistaken. So, you came, Sophia. What did you... How... What happened to Patrick? I always knew you were a sharp one, David. So you figured it out. You weren't a doctor from the start. Yes, David. I wasn't a real doctor. But you can't deny I was a good doctor to you. In fact, Patrick was a good doctor to me. But I can't just accept someone conducting experiments on me, can I? Instead, I conducted an experiment on him. It resulted with some casualties. Poor Patrick. He was so devoted to his work. Why are you telling this to me? Does it really matter? You will forget again. I will make you forget. It is easy to make you forget. You don't even remember Patrick was your friend. My friend? So... I was a doctor here? It does not matter who you were, David. What matters is who I want you to be. You will be my first successful experiment since my first real victory. My white knight. Time for you to wake up, David. Time for you to remember. Connaître le passé de notre ami David.
Avez-vous un souvenir? Attends. Avez-vous un souvenir que vous ne voulez pas oublier? Pouvez-vous entendre la mélodie de la vérité? Avez-vous déjà brisé votre promesse? Et... Isn't it beautiful, David? Isn't it looking great? But it is wonderful to watch the sunset from there. When you come to visit me, we can ramble around. You will come to visit me, won't you, David? I have a new friend here, David. She's so nice and she knows so much. I missed you, David. Why didn't you come the other day? We need to talk, David. This is a serious matter. C'était une part de gâteau. Ouais, c'est du gâteau, Patrick a dit. Ce sera plus facile pour vous, pour toi, de visiter... Enfin, de venir lui rendre visite maintenant. À ce propos... alors... He was finally revealing his true intentions. Il a finalement révélé ses vraies intentions. D'accord, je comprends toujours pas, hein. Donc on pourrait croire que... Donc Dr. Sophia était pas... Elle n'était pas un docteur, en fait. Et qu'elle a tué, donc, notre ami docteur Patrick Barr. Parce qu'il faisait des expériences sur elle, apparemment. Et donc, elle a fait des expériences sur lui en retour, et sur moi également. Alors, j'ai du mal à savoir quelle expérience. How is she, Patrick? Easy, David. There is much we need to discuss. Alors, organisation des sessions. Docteur Selwyn. D'accord, Docteur S aurait pu être Docteur Selwyn également. Je n'ai pas été capable d'organiser mes sessions. Given the state of our study... Je sais pas quoi, je sais pas. Trois patients souffrent sévèrement de divers problèmes mentaux et devraient être constamment surveillés. Et mes sessions hebdomadaires avec les autres patients m'ont empêché d'avancer plus loin dans mes études à propos du remplacement de la mémoire. Vous connaissez l'importance de mes études et la possibilité qu'elles puissent ouvrir une nouvelle ère et de possibles guérisons, de nouveaux moyens de guérison. Cependant, si, s'il vous plaît, et j'aimerais dismiss, je sais pas ce que ça veut dire, j'aimerais annuler toutes les sessions, excepté celle de Grace et de Sophia, jusqu'à ce que nous ayons atteint un état où nous pourrions faire des expériences physiques. Ces deux-là sont vraiment importants pour moi et mes études. J'aimerais dépenser plus de temps sur elle. Une autre chose... Ouais, attends, another thing...
Une autre chose, pour vous... une autre chose est pour vous de considérer que les deux sont devenus de bonnes amies. Ce qui surpasse et qui est une très intéressante situation, considérant que Sophia n'a jamais eu ou n'a jamais voulu d'amis depuis. Elle est venue ici. J'aimerais examiner leur relation et leur effet sur leurs conditions. Docteur Patrick Parr. C'est vraiment étrange. À mon avis, la fin est pas loin du tout. Ça a l'air super grand. Donc là, c'est fermé, ok. En fait, David, parce que je sais pas, au début on l'entend parler. David, on l'entend parler avec Grace tout au début du jeu. Je me souviens plus du tout de ce qu'ils disent. What is her problem, Doctor? I'm afraid it is much more complicated than I previously imagined. Pas que Grace soit la femme de David, je pense. Enfin, je sais pas du tout. Pour la thérapie. Je pensais que... Attends. Je pensais que ce moyen artistique serait capable d'atteindre les différentes parties de l'esprit que nous ne pouvons pas atteindre directement. De plus, cela peut activer... Cela peut activer les parties non utilisées de notre cerveau. Ce qui pourrait fortifier les résultats de nos sessions régulières, donc hebdomadaires, j'imagine. Ceci est juste une théorie, mais les patients dont je m'occupe semblent intéressés avec l'expérience avec la musique. Je ne peux pas expliquer directement les résultats de la musique. Mais il paye une plus grande attention à moi et semble plus intéressé aux sessions. Donc, grâce à la musique. Dans la prochaine session, j'essaierai de leur faire jouer... un petit truc au piano. Exactement ce qu'ils ont entendu venant du phonographe. Si cela réussit, j'en récompenserai certains. Je pense qu'il est temps d'acheter une stéréo.
Merde. Putain, comment tu veux travailler dans un bureau qui est aussi collé contre le mur? C'est impossible. C'est absolument impossible. De toute façon, ça sert à rien. Je pense que le jeu est fini. Attends, on a des trucs partout là. Hello, Grace. Hello. Hello, Doctor. How is Grace feeling today? I'm perfectly fine, Doctor. How are you? I'm fine, Grace. Thank you. I see you're feeling much better today. Yes, Doctor. And is there a particular reason for this, might I ask? Yes, Doctor. Because he's coming to visit me today. Hello, Grace. How are you doing today? Hello, Doctor. I'm perfectly fine. Did I tell you about my new friend? No, Grace. You've made a new friend? Yes, Doctor. I have a new friend, and she's so nice to me. She knows so much. I see. So then you don't find it boring here? No, but... But? I wish David was here, too. This time, she was trying to take over, to become the real personality. She grew stronger, and I'm afraid I'll have to use some unprecedented methods. D'accord. Ça, c'était les expériences de Patrick. How could I be so blind? She was in front of my eyes all the time. David, this case is not something ordinary individuals could understand. So please, don't punish yourself. It is not your fault. In fact, quite contrary, it is because of you that a normal personality is much stronger than a sick personality. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah! C'est pour le phonographe. Attends. Ouah, c'est chaud, attends, non. Ok. Ah.
Attends, c'est chaud quand même là. Non. Non plus. Je sais plus laquelle c'était. C'était ça? Je suis certain que c'était ça, attends. Attends. Je vais la réécouter un coup. Ça, c'est la première, c'est certain. Ah ouais, attends. Attends, je vais noter. C'est certain déjà que c'est le premier truc. Le 1. Ah, attends. Ça ferait 1. Après, ce serait... Merde. Ah! Je vais essayer ça, je suis pas certain, alors ça ferait 1, 2, 3, 4, 5... Merde, il m'en manque un putain de merde. Alors j'ai le 1, j'ai le 3, j'ai... 5... Ah, c'est le 4 que j'ai pas mis, putain, attends... Je vais essayer comme ça, j'espère. C'est marrant parce que... Il y a un petit tremblement quand j'active celui-là. Alors, je vais essayer comme ça. C'était ça, alors je ne vois pas du tout... Ouais, c'était bien ça. Et j'aimerais bien savoir...
Est-ce que ça a changé? Que cela a-t-il changé? Rien? Oh, 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 oh. Y'a un truc là, hein.